et paix sur la terre parmi les hommes qui les agréent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et les petits-enfants couchés dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit ange, de ce petit enfant. Oui. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. La deuxième lecture dans Romains 5, on va prendre toutes les lectures et puis ensuite. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et puis la dernière lecture, c'est dans Ézéchiel 57, 13 à 21. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici les limites du pays que vous distribuerez en héritage aux 12 tribus d'Israël. Joseph aura deux parts. 57, c'est Ézéchiel 57, pas 47. Ah, 57. 57. Attends. Dans ta Bible en arabe. En arabe. Attends, excuse-moi. Est-ce que c'est Ésaïe? Attends, je me suis trompé. Je crois que c'est Ésaïe. Et je t'ai mis. Oui, bien sûr, je sais. Mais Ésaïe 57. 13 à 20 ans, dirais. Oui, c'est ça. On dira frayé, vous l'avez ou pas? Oui, c'est ça. Excuse-moi. On va attendre longtemps. Quand tu crieras, la foule et tes idoles te délivrera-t-elle? Le vent les emportera toutes, un souffle les enlèvera, mais celui qui se confie en moi héritera le pays et possédera ma montagne sainte. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tous les obstacles du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours ni garder une éternelle colère quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu de ses voies
et je le guérirai. Je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres de, paix, paix. On peut partager les lectures. Il y en a essentiellement trois, mais il y en a d'autres. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Mais les méchants sont comme la mer, agités, qui ne peut se calmer et dont les eaux soulevèrent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Merci beaucoup. Vous avez bien remarqué, Luc 2, c'est bien un texte qu'on a l'habitude d'aborder quand il s'agit de Noël. Parce que on voit là-dedans le message qui arrive au niveau, la déclaration qui se fait. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe dans ce texte bien précis, il se passe qu'il y avait des bergers qui sont. Alors, c'est décrit dans d'autres traductions, ce sont des bergers, une sorte de bergers nomades. Ce sont des gens qui bougent d'un endroit à l'autre et qui font paître leur moutons. Ces gens-là, ils sont souvent. Ce métier de berger était considéré comme un métier. Sans grande importance. Le métier de berger, déjà à la base, par exemple, on se rappelle quand David allait être nommé roi, il était retranché quelque part en train de faire perdre les animaux de son père. Donc le métier de berger à l'époque, c'est vraiment le métier de la personne la plus humble et la plus simple. Quand on aborde ça et quand on voit la déclaration au berger, saute aussi à notre mémoire la déclaration qui a été faite au roi mage. Si bien que la déclaration de l'arrivée du Christ a été faite aux plus savants, aux plus élevés, les rois mages qui sont très intellectuels, tout comme le dernier des hommes les plus simples. Qui n'a même pas, et si vraiment ce sont des bergers nomades, ce sont des gens qui n'avaient même pas de maison. Ils vivaient sous les tentes et ils se déplaçaient. Des plus grands rois jusqu'aux plus derniers simples personnes, le message est donné. Et il est donné d'une manière très glorieuse. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui vient leur passer un petit bout de papier en disant, voilà, vous savez... Il y a une naissance du Christ. Je ne sais pas pourquoi ce texte m'est venu, mais je ne le savais pas quand j'ai eu cette inspiration, mais en fait, c'est juste une parenthèse, hier c'était le 1er juin. Est-ce que quelqu'un sait à quoi ça correspond ? Non. À l'automne, vu le temps. Oui, c'est vrai qu'hier, c'était, on dirait le 11 novembre. Mais en termes de calendrier, je l'ai découvert hier par des messages des amis à moi. En fait, c'est l'arrivée de Joseph, Jésus et Marie en Égypte. Donc c'est la commémoration. Alors, est-ce que c'est ça qui... Je ne sais pas. Mais en tout cas, revenons à notre texte. Des gens des plus simples, il va leur passer un message de la manière la plus glorieuse. À savoir, d'un coup, ils sont saisis d'une frayeur parce qu'ils vont voir quelque chose de très glorieux arriver autour d'eux. Et un ange va leur dire, n'ayez pas peur. C'est vrai qu'on on s'arrête sur cette image, parce que moi, si je suis en train de veiller des animaux et puis d'un coup il y a une énorme lumière dans la nuit, effectivement on va être saisi d'une, d'une, du,
moi je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe là, il y a un éclair. Non, non. Et tout de suite, le message, n'ayez pas peur. Pourquoi n'ayez pas peur? Parce qu'aujourd'hui est né quelqu'un d'extraordinaire. Super. Et voici le signe. Allez donc dans l'endroit qui va leur indiquer, et le signe que ce personnage extraordinaire qui est Salvateur, qui est le Christ, le signe que je vous donne, c'est que vous allez trouver un bébé emmailloté dans une crèche. Quel drôle de signe! Tu viens m'annoncer l'arrivée d'un être extraordinaire et le signe que tu vas me donner, c'est pas que tu vas aller voir une organisation festive avec un roi apparent, avec, je sais pas moi, des couleurs et des fanfares, etc. Non, du tout, du tout, du tout. Vous allez trouver un truc, il y a plein de bébés, c'est quoi le truc? Un bébé, il est où ce bébé? Il n'est même pas dans une maison, il est dans une crèche. Il est dans un endroit parmi les animaux. Il n'y a pas plus simple, c'est-à-dire vous êtes les bergers et vous allez voir de vos propres yeux l'arrivée du Christ. Et le signe, c'est qu'il est le plus humble possible, le plus bas possible, le plus abordable possible, le plus proche de vous possible, le plus invisible possible. Un bébé emmailloté, on passe à côté, on s'en rend même pas compte. Il y a un bébé qui dort ici. Vous vous rendez compte? Si c'est ça le signe. Non mais, il faut se mettre dans le... Mais avec ces anges-là, et c'est là où j'ai envie qu'on s'arrête un petit peu, et avec cet ange-là, vont apparaître une multitude d'anges célestes et qui vont chanter un chant et qui vont proclamer un chant. Ça nous rappelle ce qui se passe dans Ésaïe 6, quand Ésaïe va voir aussi la gloire de l'Éternel et quand il va s'écrier en disant, pareil, il va avoir la même frayeur, il va dire, mais je suis fichu, je suis mort, parce que j'ai vu la gloire de l'Éternel. Mais il va voir des anges qui vont crier, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Et ici, on va trouver quoi? On va trouver une multitude d'anges et qui vont dire une phrase, qui vont dire un chant qui n'est pas très long, on peut le relire. Ils vont dire quoi? L'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre. » Et la troisième chose, parmi les hommes qu'il a agréés, ça veut dire « joie parmi les hommes ». Trois items sur lesquels on peut s'arrêter quelques minutes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. La première chose que vont dire cette armée de serviteurs célestes, ces anges, c'est gloire à Dieu au plus haut des cieux. La proclamation de cette gloire à Dieu, elle rend gloire à celui qui mérite la gloire. C'est-à-dire, pour annoncer qu'ils viennent de la part de Dieu, ils vont la première chose dire, gloire à Dieu, regardez Dieu dans sa gloire, gloire à lui et rendez gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et Dieu ne partage pas sa gloire avec une autre personne, jamais. Il est jaloux de sa gloire, impossible de l'associer avec une autre personne, qu'elle soit humaine, surhumaine ou pas humaine du tout. La gloire, elle est rendue à Dieu le Père, à Dieu le Créateur. Tel devrait être l'état d'esprit de tout croyant. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait, nous? Nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Gloire à Dieu, est-ce qu'on agit ainsi?
Est-ce qu'on lui rend gloire? C'est bien de parler, c'est bien de monter comme ça et puis donner des prédications. Mais est-ce que dans notre quotidien, est-ce que dans notre pensée, est-ce qu'on rend gloire à Dieu? Ou est-ce que malheureusement, on apporte des actes blasphématoires? Par pensée, par relationnel ou par tout autre moyen. Gloire à Dieu, c'est pour rappeler aux plus humbles des gens, mais ça se transmet à tout le monde, c'est n'oubliez pas que par l'arrivée de ce personnage, de cette entité divine et humaine en même temps, vous, à travers cette arrivée, vous rendrez gloire à Dieu. En croyant en cette personne-là, vous rendez gloire à Dieu. Mais ne venez pas par la suite faire quelque chose qui fait trébucher quelqu'un d'autre en rendant non pas gloire, mais en rendant disgrâce à Dieu. Il ne s'agit pas de répéter tout le temps « Seigneur, Seigneur », c'est pas l'idée, loin de là. Il ne s'agit pas à tout bout de chemin de palabrer, pas du tout, ce n'est pas le propos, bien que ce soit bien. Les paroles doivent suivre, mais c'est surtout le cœur, les actes, les agissements et le regard qu'on a vers soi-même, sa famille et autrui. Gloire à Dieu parce qu'il nous aime. Gloire à Dieu parce qu'il a été, il a manifesté son amour justement avec l'arrivée de ce personnage étonnant, un petit bébé emmailloté qui ne paye pas de mine, mais en lui, il y a tout le salut. Il n'y a pas de liste exhaustive de ce qu'il faut faire, ou alors on se transforme en une secte. Il n'y a pas, il y a une sagesse, une intelligence influencée par l'esprit qui doit opérer à l'intérieur de chacun parmi nous. Et c'est ça qu'il faut demander. Il ne faut pas marcher derrière sa propre sagesse. Il le dit, Jacques, la sagesse humaine, pour ne pas l'oublier, je l'ai écrit, elle est terrestre, diabolique et charnelle. Si vous voulez la référence, c'est dans la lettre de Jacques, chapitre 3. La sagesse, l'intelligence humaine, elle est terrestre. Elle ne pense que à ce qui entoure terrestre, matériel. Elle est aussi diabolique, c'est-à-dire elle va contre la volonté de Dieu. Et la troisième chose, elle est charnelle. Elle assouvit les désirs de chaque personne. Ce n'est pas cette sagesse-là qui va nous mener à glorifier Dieu. Encore une fois, il n'y a pas de liste exhaustive de ce qu'il faut faire. Mais commençons par exemple par refuter le mal, que ce soit en idée ou en action. Non pas le condamner ou condamner une personne, mais dire non, ça ne correspond pas. Avoir la sagesse et demander la sagesse pour pouvoir discerner et de dire ça ne me convient pas parce que moi, je suis fait pour rendre gloire à Dieu. Dans une autre partie, Paul nous décrit quoi qu'on fasse, quoi que vous fassiez, pensez à la gloire de Dieu. Et pour ne pas tarder trop, il y a un deuxième item, gloire à Dieu au plus haut des cieux, ensuite paix sur la terre. Paix sur la terre. Je vous regarde avec honte. Elle est où cette paix? Qu'est-ce qu'on dit du monde actuel quand on regarde autour de nous? Est-ce qu'on arrive à trouver la paix? Est-ce qu'on arrive à la voir, la paix? Où est-ce qu'on trouve cette paix? De quoi il parle? Paix sur la terre.
On regarde en Europe, est-ce qu'il y a la paix? Ils sont en train de s'entretuer. On va au bout de la terre. Ce dont on n'entend pas parler, en Afrique, etc., terrorisme, etc., etc., tout ça. En Palestine, qu'est-ce qui se passe? Un massacre sous nos yeux, en train de se faire. On descend au Yémen, c'est une catastrophe. Il y a quelques années, des millions de morts en Irak et en Syrie. En 100 ans, combien de conflits meurtriers se sont opérés ici autour de nous, que ce soit là ou ailleurs. Où est-ce qu'elle est, cette paix? Et malgré ça, on va entendre cette nuée de serviteurs célestes qui crient « paix sur la terre ». Quand on regarde, et ça me désole de le dire, que ce soit maintenant, avant ou même plus tard, les pires exactions, les pires violences et brutalités sont souvent faites au nom des religions, au nom de la croyance en Dieu et au nom de, et des gens qui s'appuient sur certaines écritures. Une sagesse diabolique les mène vers tout ça. Où est cette paix? Eh bien oui, eh bien, je vais vous dire, malgré tout ça, et malgré tout ce paradoxe, arrive un personnage qui illustre la paix. Et c'est ça qu'ils étaient en train de proclamer. Oui, dans cette mer agitée dont on a parlé tout à l'heure, qu'on a lu dans Ésaïe, une mer agitée, vient un personnage et il parle d'un message que le monde ne connaît pas. Il parle de la paix. En fait, le monde connaît le nom. Le monde connaît le nom. Et chacun essaye d'établir une paix, l'un sur les armes, l'autre sur la ruse, le troisième sur la richesse, mais c'est une paix non durable. Le Christ arrive. Jésus arrive pour proclamer la paix. Mais quelle paix? Quelle paix? Et comment elle est? La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a établi la paix entre l'homme et Dieu. Il a rétabli le lien qui était rompu entre l'humain et son créateur. Sans rentrer trop dans le détail de ce sujet, parce que c'est trop long, mais il a anéanti l'animosité entre Dieu et l'homme et Dieu. Et les deux, de nouveau, rentrent en relation, rentrent en contact ensemble. La deuxième chose, c'est qu'il établit la paix à l'intérieur des humains. Comment il fait? En faisant tomber ce mur de séparation entre les uns et les autres. Rappelons-nous que dans l'Ancien Testament, nous tous, ici, nous tous, on était considérés païens. On était à l'extérieur du mur. On n'a pas le droit de s'approcher. On n'a pas le droit de rentrer en contact avec Dieu parce qu'on est des païens. Ce mur est tombé. Ce mur est fini et anéanti. Les deux sont devenus un. Tout le monde est devenu pareil. Paix entre les gens différents. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie terrestre? Qu'est-ce qu'il disait quand il rentrait voir ses disciples? Et en termes originaux, on le sait. Comment? Qui a dit? Shalom quoi? Shalom lechem. Ça veut dire quoi? Paix pour vous. Lechem, c'est un mot combiné, c'est paix pour vous. Quand il partait, il disait quoi? On le sait. Je vous laisse la paix, je vous laisse ma paix. Non pas la paix de ce monde, je vous donne ma paix. Rien à voir.
bouleverser la mentalité, bouleverser les tendances, bouleverser même la nature humaine en arrivant avec ce mot. Dans le serment sur la montagne, qu'est-ce qu'il enseigne ? Entre autres, c'est trop long. Qu'est-ce qu'il enseigne ? Hein ? Dans les béatitudes, on se rappelle, heureux sont les ouvriers de paix. Autrement dit, j'arrive pour faire de vous des gens qui œuvrent pour la paix. Œuvrer pour la paix, c'est un travail difficile, parce qu'il va aller contre la nature de tout le monde qui entoure. J'ai cité quelques... devant l'épreuve qu'il attendait, il était en paix. Face à la violence, il était doux. Face à l'animosité, il a enseigné d'aimer son ennemi. Face à l'agressivité, il a enseigné l'abandon de la fierté et tendre l'autre joue, et même la bénédiction de ceux qui nous maudissent face à l'autodéfense. Quand un des disciples a sorti son épée, il a enseigné que la violence n'a jamais été la réponse à la violence. Il casse les codes humains, les uns derrière les autres. Face à un monde qui enseigne la loi sans humanité, il a su mettre tout le monde à ses limites et il a su pardonner une femme prise dans l'adultère. Le monde aime appliquer la loi et mettre de côté son humanité. On va la mettre au placard ou même on va l'écraser parce que la loi dit ça. Voici la femme, lapide-la. Il a su mettre tout le monde devant ses limites, devant ses responsabilités. Allez-y, les gars. Jetez la pierre si vous êtes sans péché. Face à un rejet d'autrui, il a su faire tout un détour pour rencontrer une femme rejetée, une femme qui est mise à l'écart, qui s'appelle la Samaritaine. Tout ça pour que cette femme le connaissent, qu'elle accueille sa lumière et ensuite elle va la transmettre. Il a fait tout un détour. Devant ses bourreaux et devant un peuple qui s'écriait « Tue-le, tue-le, son sang est sur nous et sur nos enfants !» Il a su dire « Père, ne leur compte pas cette faute, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Car il est le prince de paix, annoncé dans Ésaïe 9, 600 ans plus tôt. Très bien. Et nous, où en est-on dans tout ça? Est-ce qu'on ressent cette paix réellement ou c'est juste des paroles? Est-ce qu'on œuvre pour la paix? Lorsqu'on voit l'animosité, la haine, est-ce qu'on ferme les yeux? Serons-nous capables de dire haut et fort que cette action ne correspond pas à la nature du Christ? Est-ce qu'on a la vigilance de dire ça, de se dire ça premièrement et de le proclamer à quelqu'un d'autre? Où en est-on quand on est avec quelqu'un et avec qui on découvre que cela ne correspond pas à la nature du Christ? Est-ce qu'on aura la liberté d'esprit de dire non, ça ne correspond pas, je ne participe pas? Ce n'est pas de la condamnation. La réprimande dans l'amour n'est pas une condamnation. Du tout. On n'est pas hautain quand on fait ça. C'est juste qu'on dit mon Seigneur n'est pas comme ça, alors je ne marche pas. Je ne suis pas d'accord. Au contraire, ça peut édifier la personne, mais il faut le faire dans l'amour. Posons-nous les bonnes questions.
Est-ce qu'on a la paix ou est-ce qu'on vit dans la peur? Pratiquons-nous la paix autour de nous, à commencer par nos plus proches et progressivement de plus en plus largement, ou fermons-nous les yeux pour ne pas affronter ceux qui sont opprimés, démantelés, injustement chassés de chez eux, pour ne pas avoir une conscience troublée? Est-ce qu'on est des gens vrais ou est-ce qu'on vit dans le mensonge en se donnant bonne conscience avec des bonnes actions? Paul a dit, si vous êtes en Christ, vous êtes une créature nouvelle, c'est-à-dire une nature que ce monde qui nous entoure ne connaît pas. C'est dans 2 Corinthiens 5, 17. Un ouvrier de paix, rappelons-nous, c'est un témoin de son Seigneur. Il rend gloire à Dieu et donne envie à son entourage de venir connaître le Prince de paix. Tel est un ouvrier de paix. Malheureusement, l'inverse est vrai. Celui qui pratique la vengeance, la violence, tout ce qu'on veut, qui répand l'anti-paix, malheureusement, il doit se poser des bonnes questions, il doit se poser des questions quant à son adhésion à la nature du Christ. Faisons attention, soyons des bons témoins. Et pour finir, et pour ne pas être trop long, le troisième item qu'ont déclaré la nuée des anges, c'est la joie parmi les hommes. C'est le résultat de la grâce. Rendre les hommes dans la joie, le troisième item qui s'appelle « parmi les hommes qu'il a agréés », ça veut dire qu'il a rendu la situation agréable. L'action de la grâce a anéanti un temps de guerre, un temps d'animosité. C'est l'expansion du salut. Et on va tout de suite se poser la question, qui sont ces gens parmi lesquels il y a une joie? Ces gens, ce sont les gens qui sont réellement touchés par la grâce. C'est l'Église réelle, c'est l'Église invisible. C'est l'Église que seul Dieu connaît. Ce sont les gens dont parle le Jean de l'Apocalypse en disant « Ce sont ceux-là qui ont blanchi leurs habits dans le sang de l'agneau et qui viennent de toute nation, toute langue, toute tribu. » Ces gens, ce sont les gens qui sont envoyés comme des agneaux parmi les loups. Ces gens, ce sont ces gens à qui Jésus a dit « Attention ». Je vous envoie comme des agneaux. Et arrivera un moment où tous ceux qui portent la main sur vous, qui vous tuent, pensent avoir rendu service à Dieu. Ce sont ces gens-là. Ce sont ces gens-là où l'action transversale s'est opérée. Ce sont ces gens-là qui partent sans bagage pour aller vers les autres avec plein d'amour. Mais ils n'ont jamais besoin de rien. Même les scorpions et les serpents ne peuvent pas les atteindre. Les serpents, c'est le péché, c'est le symbole des péchés. Le scorpion, c'est le symbole de la persécution. Ni persécution, ni péché peuvent vous atteindre, parce qu'ils ont une force du Christ. Ces gens-là, ce sont les gens qui ne sont pas restés gamins dans leur tête, emportés par tout vent et par mauvaise doctrine. Ce sont des gens enracinés dans la vigne qui est le Christ. Pour finir, parce que je pense que j'ai pris un peu trop de temps, Christ est né. Mais est-ce qu'il est né dans les cœurs? Gloire à Dieu le Père. Soyons ses témoins en mettant nos vies à son service. Paix sur terre par son Fils. Soyons ses ouvriers en prenant sa nature. Joie parmi les hommes. Vivons cette joie qui est donnée par le Saint-Esprit, qui nous habite, et faisons en sorte que les autres la vivent. Vous voyez bien, vous avez bien compris qu'à la naissance du Christ, la croix s'est dessinée. Gloire à Dieu, le Père au plus haut des cieux.
paix sur la terre. Et on voit ce mouvement qui descend de haut en bas, qui nous rappelle ce voile qui était sur le lieu saint, qui va se fendre de haut en bas. C'est bien décrit comme ça. Et puis, joie sur la terre parmi les hommes, l'action transversale du Saint-Esprit. La Trinité est déclarée et la croix aussi est dessinée. Où en est-on de cette action de grâce d'arrivée du Christ Jésus? Posons-nous les bonnes questions et prions pour que l'Esprit nous illumine et qu'il nous donne vraiment la bonne voie à suivre.